Yo les petits bros, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale esthétique, c'est-à-dire que j'ai commencé les cours en CAP esthétique et donc j'ai reçu plein de choses, on va dire ça comme ça, et je vais vous les présenter. Vous voyez, il y a tout ça. La petite poubelle. Ensuite, nous avons le reposement pour les manucures. Ensuite, avec mon école, j'ai eu 3 serviettes. C'est-à-dire une première pour tout ce qui est main, tout ça. Une deuxième, c'est pour là où s'allonge la cliente. Et celui-là, c'est le paréo. Donc, la cliente se déshabille et doit mettre ça pour se réveiller. Évidemment, j'ai reçu tout ça dans une valise mythique. J'ai reçu ça aussi, c'est une trousse, et celle-là, super jolie. Alors j'ai une éponge HD, et celle-là, et un truc pour les ongles, c'est pour un côté des ongles, ensuite ça, j'ai pour enlever les ongles. J'ai un... comment ça s'appelle ça? Un gratte-pied, tu sais, les trucs pour enlever les peaux mortes, tout ça. J'ai des petits bâtons, des lignes. Un pinceau et c'est là, donc j'ai des pinceaux liner, des pinceaux teint, pinceaux pour les yeux, pour les lèvres, et ils sont de très bonne qualité, sauf que peut-être le manche n'est pas collé au bout, enfin je sais pas comment vous expliquer. Les pinceaux ils peuvent se décoller en fait, tac, comme ça. Parce qu'en cours on les a ouverts et puis il y en avait un qui était décollé. Ensuite j'ai une lime arrondie. Des petites coupelles aussi. Celle-là, il faut vraiment que je fasse gaffe avec parce que c'est vachement fragile. Un coupon. Je crois que c'est un coupon. Ah non, un coupe. Comment? Un coupe en vie. Un coupe en vie et j'ai le coupe en vie. Pas tourner le nez, surtout une mousse blanche. Je sais pas à quoi ça sert ça par contre. Ça, c'est pour la cire. Appliquer la cire. Donc, ça, c'est encore des pinceaux. Pinceau mat, pinceau. C'est pas un pinceau ça. Pinceau. Pinceau rond, pinceau à épiler, petit ciseau, ça c'est un touche cuticule et des petits bâtonnets. Après avoir mis tout ça, j'ai rajouté une petite trousse que j'avais dans mes placards depuis longtemps, you are mine et tout. Et j'ai rajouté des vernis, donc des vernis comme ça, des vernis qui traînent chez moi et avec de la crème pour les ongles aussi, j'ai rajouté ça. Ouais, mais qui galère. Alors ensuite j'ai des lingettes, nettoyage, désinfection, aussi une bassine avec plein de trucs super, une charlotte by un petit crayon pour les crayons à lèvres, les crayons à yeux, non c'est pas un couteau à beurre, c'est pour étaler la cire, du moins je pense, si c'est pour la cire, je crois que c'est pour les sourcils. J'ai du dissolvant doux antibactérien en sans acétone. C'est cool, il est super stylé. Ils sont en doux, donc j'en ai 2. J'ai encore une serviette. J'ai encore une serviette. J'avais pas vu, mais il y avait un petit bandeau aussi avec. Alors, ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Et une boîte à mouchoirs aussi. C'était fourni dans le kit. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est tout. Oh, bah voilà, vous avez découvert avec moi ce qu'il y avait dans cette petite mallette. Cette grosse mallette que je vais devoir mettre un balai toute l'année. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire ou un petit pouce bleu, ça me fait chaud. Voilà, passe une excellente soirée. Bisous.